de grâce. Nous nous approchons encore respectueusement de ton trône pour amener cette requête de notre sœur Jackie, Seigneur. Si elle a apporté la requête, c'est parce que quelque part dans le fin fond de son cœur, il y a une foi qui dit que Dieu répond aux prières. Et notre demande de prier en ce moment est que tu puisses honorer sa foi et qu'il y ait solution à son problème qu'elle est en train de connaître maintenant. Tu es le Dieu de solution, tu es le miraculeux qui produit l'omnipotence. Je viens également avec mon foyer, les enfants qui sont attaqués par les démons de la varicelle, conjonctivite, la fièvre. Seigneur, nous savons que ton nom est une tour forte où les justes trouvent refuge. Au travers de mes enfants, je vois tous les autres qui peuvent être aussi malades partout ailleurs. Père, que ta grâce puisse s'étendre et que ces enfants soient en bonne santé à cause de ton nom. William et Madame le Seigneur Camel. Nous voici encore dans l'étude de la parole maintenant, Seigneur. Comme toujours, nous nous mettons de côté afin que tu sois, que nous soyons juste un instrument et que nous puissions être une aide pour ton peuple dans la clarté de la parole, dans la solidification, dans la foi de l'heure. Bénis notre rencontre ce soir et que tout soit pour ta gloire. William Anoubanam, le signe éternel. Amen. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 15, 3 à 28. Nous lisons le premier verset. Je vous dirai de vous asseoir et je vais continuer. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Vous pouvez vous asseoir. Et qu'il est apparu à Cephas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si Christ, car si le mort ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité.
Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Les derniers ennemis qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est lui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Vous avez vu, au départ, on a dit que Christ est mort pour nos péchés. J'ai toujours aimé Paul. Paul était vraiment un grand enseignant. Et quand Frère Branham dit « Je prêchais comme Paul », c'est vraiment une réalité. Vous allez voir que la doctrine de base de Paul a été répétée par Frère Branham. C'est ma Frère Branham est allé plus loin. Alors, c'est pourquoi il dit « J'ai prêché comme Paul ». Si ceux de Paul sont entrés, le mien aussi entreront. Alors, Christ est mort. Pourquoi nous disons « J'ai donné ce passage » C'est parce que je voulais parler de Christ qui est mort comme étant la réponse à notre cinquième impasse. C'était « Comment tuer Dieu ?» Puisque la loi exigeait à ce que ce soit un parent rédempteur qui puisse mourir et que personne d'autre n'était plus proche de l'homme d'Adam, sinon Dieu lui-même, il était le parent direct. Alors la loi avait trouvé que Dieu lui-même devait mourir. Mais on avait posé cette question, comment Dieu peut mourir? Nous avons vu que pour que Dieu puisse mourir pour sauver l'homme, il devait s'associer avec l'homme. Et cette société de Dieu avec l'homme, nous l'avons appelé Christ ou le Messie. Maintenant, il y a deux degrés de l'humanisation du divin. Je répète, il y a deux degrés de l'humanisation du divin ou de Dieu. Dieu peut devenir homme en deux degrés. Nous allons aussi toucher ça. À travers cet enseignement, nous allons toucher beaucoup d'aspects de la divinité pour que nous soyons toujours bien outillés dans la divinité. Et chaque fois que nous relevons une impasse, nous donnons une solution divine, il y a toujours des pépites que nous donnons qui peuvent nous ouvrir encore les yeux et nous solidifier dans notre foi. Il y a deux degrés. Dieu, lorsqu'il a voulu devenir homme, il y a deux degrés de l'humanisation ou de l'incarnation, je peux dire de la manifestation de Dieu sous forme de l'homme. Le premier degré ou la première forme de l'homme que Dieu prend, c'est ce que nous connaissons comme Melchisédek. C'est un corps parole ou un corps théophanique. Vous êtes avec moi? Et ce corps parole théophanique, c'est Dieu homme. Mais seulement, il n'a pas le sang.
Il n'a pas les eaux. C'est une théophanie. Lorsque nous lisons dans qui est ce Melchisédek, au paragraphe 30, nous lisons, écoutez, pensez à la grandeur de cette personne, à la grandeur de cet homme. Et maintenant la question se pose, qui est cet homme? Les théologiens ont eu différentes idées, mais depuis l'ouverture de Sceaux, le livre qui était mystérieux pour nous, selon Apocalypse 10, 1, 7, tous les mystères écrits dans ces livres qui ont été cachés à l'âge des réformateurs sont censés être dévoilés par l'ange du dernier âge de l'Église. Combien savent que c'est juste? C'est juste. Ils sont censés être dévoilés. Tous les mystères du livre mystérieux doivent être révélés aux messagers de l'âge de la Odyssée. Voyant qu'il y a beaucoup de disputes à propos de cette personne, Melchisédek, et à ce sujet, je pense qu'il nous appartient d'examiner la chose pour découvrir qui c'est. Il y a plusieurs opinions à son sujet. Certains prétendent qu'il n'est qu'un mythe. Un mythe, une histoire, une fiction. Qui n'était pas réellement une personne. D'autres disent que c'est un sacerdoce. C'est un travail. Mais qui n'est pas une personne, c'est un travail. D'autres. Que c'était le sacerdoce de Melchisédek. La plupart sont de cet avis parce qu'ils disent que c'est un sacerdoce. Or, cela ne peut pas, car au quatrième verset, il est dit qu'il était une personne. Amen. Melchisédek était une personne. Un homme. Donc déjà, Dieu sous forme de Melchisédek, c'est un homme. Il devait être une personnalité. Un homme. Non pas un ordre, mais une personne. Lisons dans l'adoption. Du 22 mai 1960, à partir du paragraphe 49. Remarquez ce Melchisédek. Dès qu'il est allé au devant d'Abraham, quand celui-ci revenait de la défaite de roi, le mystère de Dieu là, qui est en train d'être dévoilé, qui était-il? Personne, trois points. On n'a rien trouvé sur lui du côté de l'histoire. Puisqu'il n'a pas eu de père, qu'il n'a pas eu de mère, qu'il n'a jamais eu de commencement, qu'il n'a jamais eu de fin de vie. Alors, qui qu'il soit, il est toujours vivant. Il n'a jamais eu de commencement, alors il ne pouvait être nul autre que El, Ela Elohim, qui existait par lui-même, qui demeure par lui-même, le Dieu Tout-Puissant. Jésus a eu un père. Jésus a eu une mère. Amen. Branham a eu un père, non? Branham a eu une mère aussi. Ok, c'est bien. Jésus a eu un père. Jésus a eu une mère. Jésus a eu un commencement de jour. Jésus a eu une fin de jour. Jésus a commencé à l'an zéro. Donc si vous allez, s'il y avait une tombe de Jésus, on allait voir né tel en l'an zéro, mort l'an 30. C'est ça le commencement de vie et la fin de vie. Et si vous allez dans à Jeffersonville, à la pyramide, vous verrez né en 1909, mort. Parce que ici aussi, il y a beaucoup de gens, la manière dont ils prêchent Melchisédek, ça m'a toujours étonné. Les choses qu'ils utilisent pour disqualifier Jésus peuvent être aussi utilisées pour disqualifier William Anongana. Non, voilà, c'est pour même qui est Melchisédek parce que Jésus avait un père, Jésus avait une mère. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Mais on va comprendre ça. Ça entre dans le cadre de la société de Dieu, Christ, qui doit avoir une partie divine et une partie humaine. Une partie divine et une partie humaine. L'humanisation de Dieu. Écoutez, Jésus a eu une fin de vie terrestre. Une fin de vie terrestre. Mais cet homme n'a eu ni père, ni mère. Amen. Pas de père, ni de mère. Jésus a eu les deux. Père et mère. Cet homme-là n'a eu ni père, ni mère. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Après que la bataille a été terminée, après qu'Abraham a pris sa position, Frère Branham dit que Melchisédek n'était pas un esprit. Donc c'était vraiment un homme. Abraham, après la bataille, alors qu'il est rentré, alors qu'il est devenu vainqueur, il rencontre maintenant Melchisédek. Après la bataille, au vainqueur, je donnerai. Amen. Alors qu'il a vaincu la bataille, c'est alors qu'il rencontre Melchisédek. Dans qui est ce Melchisédek? 55. Remarquez maintenant son attribut. Donc, l'attribut fut premièrement Dieu, la pensée. L'attribut lui-même, tout en un, sans être exprimé. Puis, deuxièmement, lorsqu'il l'exprima, il devint alors la parole. Ensuite, la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Jean, chapitre 1er, verset 1er. Vous êtes avec moi? Remarquez, c'est au commencement. Mais avant se trouve ce qui est éternel. Remarquez, au commencement était la parole, lorsque le temps commença, c'était la parole. Mais avant d'être la parole, c'était un attribut, une pensée. Puis elle fut exprimée. Au commencement, il y avait l'expression, la parole. Maintenant, nous arrivons à l'endroit où se trouve Melchisédek. La parole. Corps, parole. C'est cette personne mystérieuse. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Puis la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Maintenant, retenez ça là. Remarquez. Son premier être était esprit. Dieu surnaturel. Frère Branham pose la question. D'accord? Le grand éternel. Deuxièmement, il commença à se donner une forme. Écoutez, se rapprochant de la chair. C'est un corps, mais qui savait qu'il était un corps, mais il n'était pas une chair. Il était un corps, mais il n'était pas une chair. Il y a une différence entre un corps humain, un corps et une chair. Il commença à se donner une forme se rapprochant de la chair, mais une théophanie, comme on l'appelle, la parole, un corps parole, c'est ça Melchisédek. Il avait deux pieds, il avait une tête, il avait une main. Amen. Il a donné la communion. Le vin. Amen. Et du pain. Et Abraham a payé la dîme. Ce n'était pas une pensée, une personne. Mais dans un côté, ce n'était pas la chair. Or, l'impasse était quoi? Comment Dieu mourit? Mais là, Melchisédek n'avait ni le sang, ni l'os. Il était incapable de mourir. Amen. Sous cette forme, Melchisédek ne pouvait pas mourir. Amen. Écoutez, c'est donc l'état dans lequel il était lorsqu'il rencontra Abraham et qu'il fut appelé Melchisédek. Il était sous la forme d'une théophanie. Maintenant, nous allons y arriver et prouver cela dans quelques minutes, si le Seigneur le veut. Il était la parole, une théophanie. C'est quelque chose
que vous ne pourriez pas voir, cela pourrait être ici même en ce moment, et vous ne pourriez pourtant pas le voir. Amen. La théophanie peut disparaître et apparaître. Mais une personne, c'est pareil, eh bien, à la télévision. C'est une autre dimension, la télévision. Amen. Amen. Lorsque nous sommes toujours à qui est ce Melchisédek au paragraphe 60, il dit ceci. Il se révèle dans sa grande forme qu'il prétend, alors qu'il change de masque en un morphée dans ses serviteurs et prouve qu'il est... Amen. Maintenant, le voici sous la forme de l'Esprit, puis il vient sous la forme de El Morphée. Il est apparu à Abraham, El Morphée. Lorsqu'il revint de la défaite du roi, il rencontra Abraham et lui parla. Au paragraphe 68, écoutez maintenant. Maintenant, la différence entre lui et vous, en tant que fils, voyez-vous, il était au commencement la parole, un corps, El Morphée. Il y est entré, il y a vécu dans la personne de Melchisédek. On parle de Jésus. Nous avons contourné ça. Vous êtes avec moi? Nous avons contourné notre théophanie. Plus tard, écoutez, nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchisédek. Pourquoi? Il répond, parce qu'il est devenu Jésus-Christ. Melchisédek est devenu qui? Du corps théophanique. Du corps parole, il est passé à la chair. Ça, c'est la deuxième dimension de l'humanisation du divin. Il apparaît d'abord comme une théophanie. Ça veut dire que vous pouvez même faire ça, ça passe. Vous ne pouvez même pas les toucher comme tel. Il est comme une dimension, comme la télévision, comme Frère Branham l'a dit. Mais c'était une personne qui parlait, qui pouvait parler, il ouvre la bouche. Il te parle normalement. Amen. C'était qui? C'était le Logos. C'était qui? C'était l'ange du Seigneur. Sous forme d'homme, d'un homme. Mais il n'était pas chair. Ah! Voilà. La chair ne fait pas d'un homme un homme. Même si ta chair tombe ici, tu es homme. On voit la chair. La chair est un costume. Amen. Le Seigneur Jésus, quand il est mort, il est allé prêcher aux âmes en prison. Tous les Daniels et les autres, leur chair avait pourri. Mais il les a vus. Quand il est allé dans la sixième dimension, ces gens étaient enterrés. Il les a vus, ils leur ont dit, notre précieux, ça c'est l'espoir d'une vie au-delà de la chair, qui est le rideau du temps. Ça, ce n'est qu'un rideau. On se bat trop pour le rideau du temps. On fait beaucoup d'acrobaties. Des fois, nous pleurons pour rien. Si Dieu pouvait vous montrer là-bas, vous allez demander à Dieu de partir tout de suite. Quand Frère Branham est allé, on lui a dit rentre. Il a dit, qu'est-ce que je vais encore rentrer faire? C'est comme un bébé. Il ne sait pas dehors comment ça est. Il n'a jamais vu de voiture. Il n'a jamais vu le soleil. Il est dans le ventre pendant 9 mois. Il croit que c'est l'endroit idéal. Et quand il sort, le bébé fait quoi? Il pleure. Il voulait rester dans la matrice. Parce qu'il ne sait pas là où il va. L'incertitude. J'ai toujours dit à quelqu'un, mais vous avez souvent peur de la mort, alors que tous nos seigneurs, s'il faut les prendre au pluriel, ont passé les journées. Si toi tu dis que tu pries Jésus, Jésus a goûté à ça, à la croix. Il est allé de l'autre côté. Pourquoi tu ne veux pas aller les rencontrer très vite?
Branham, mais Branham, il a goûté à ça à l'hôpital. Hein? Ah. C'est juste comme l'épouvantail. Mais frère Branham dit l'évidence du pays, il nous l'a amené. Pour dire que c'est une réalité. La chair, c'est ça. Mais nous avons un corps. Il y a plusieurs corps. Corps céleste et corps glorifié. Voilà. Ça, c'est le premier degré de l'humanisation de Dieu. Alors, qui ne pouvait pas répondre? Cela ne pouvait pas répondre à l'impasse. Dieu doit mourir. Melchizedek ne pouvait pas mourir. Lisons. Qui est ce Melchizedek? 95. Maintenant, la véritable révélation de Melchizedek apparaît et elle montre qu'il était Dieu, la parole, avant de devenir chair. Avant de devenir chair. C'est ça Melchizedek. Et Melchizedek, on n'a plus entendu parler de lui parce qu'il est devenu qui? Il est devenu chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole a été faite. Quand on dit au commencement était la parole là, c'est ça Melchizedek, le Logos. C'est un corps. Et c'est pour vous dire, faisons l'homme à notre image. Il avait deux mains, mais qui n'étaient pas chair. Il avait deux pieds, qui n'étaient pas chair. Il avait une tête qui n'était pas chair. Amen. Avant de devenir chair, Dieu, la parole. Parce qu'il devait l'être. Personne d'autre ne pouvait être immortel comme lui. Il était quoi? Immortel. Voyez-vous? J'ai eu un père. Ça, c'est maintenant frère Branham, pour ceux qui aiment discuter. Ici, il dit j'ai. Là, il disait Jésus a eu un père. Très bien. J'ai eu un père et une mère. Ça, c'est William Branham. Comme qui? Alors, qu'on cesse de tordre la parole pour dire que Branham est Dieu. On n'a pas besoin de tordre la parole. Amen. Nous devons le dire avec la parole. Dieu ne oint que sa parole. Et Dieu ne confirme que sa parole. C'est vrai. J'ai eu un père et une mère. Vous aussi. Jésus avait un père et une mère. Mais cet homme n'avait ni père ni mère. Jésus a un commencement, cet homme ou pas. Jésus donna sa vie. Écoutez, cet homme ne le pouvait pas. Or, il fallait que Dieu meure. Que Dieu donne sa propre vie. Que Dieu, nous l'avons déjà vu plusieurs fois, devienne péché. C'est Dieu qui devait devenir péché. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu devait devenir péché. Cet homme ne le pouvait pas parce qu'il était la vie. Et c'est absolument le même homme tout le temps. Amen. J'espère que Dieu vous le révèle. Amen. Absolument. La même personne tout le temps. Écoutez, la semence du serpent, paragraphe 189. Et là, quand Abraham le juste, gloire, oh, je me sens vraiment bien. Quand Abraham le juste a rencontré Melchizedek, qui était Dieu lui-même? Qui était Melchizedek? Le roi de Salem, c'est-à-dire roi de Jérusalem, roi de paix. Il n'avait pas de mère, il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère. Il n'a jamais eu ni commencement de jour, ni de fin de vie. Qui qu'il soit, il est toujours vivant. Il n'a jamais eu de naissance. Écoutez, il ne mourra jamais. Il n'a jamais eu ni père ni mère. Il ne mourra jamais sous cette forme-là. Corps-parole ne meurt pas. Le corps-parole ne meurt pas. Il était une théophanie. Très bien. Ça, c'est le premier degré de l'incarnation, de la manifestation de Dieu sous la forme d'un homme. Melchizedek était un homme, amen. Amen. Mais un homme dans un corps, parole, théophanique.
à ce niveau, l'impasse ne pouvait pas, l'association ne pouvait pas engendrer quelque chose. Il était Dieu, tout Dieu. Melchizedek est tout Dieu. C'est lui maintenant qui devait s'associer. Maintenant, deuxième degré. Deuxième dimension. D'abord, Dieu devient homme. C'est cet homme-là, c'est une théophanie. Et c'est ce que nous appelons Melchizedek. C'est ça ici. Mais ici, il ne pouvait pas résoudre cette impasse. Dieu ne peut pas mourir sur cette fonte. L'impasse, comment Dieu doit mourir? Parce que Dieu doit mourir pour prendre sa propre loi et son propre jugement. Alors, il fallait maintenant passer ici. Un homme que Frère Branham appelle un corps physique littéral. Autrement, une chair. Ça, c'est le deuxième degré de l'humanisation. Maintenant, écoutez, ici, nous touchons encore la divinité, ça va encore nous aider, nous allons rappeler seulement la divinité. Comment Dieu peut-il devenir chair? Voilà. Nous l'avons déjà dit, il doit s'associer à un homme. Devenir un. Moi et le Père, nous sommes un. Il doit chercher un homme qui n'est pas lui pour qu'il soit lui. Il doit chercher un homme qui n'est pas lui pour qu'il soit lui. Et faire une société appelée Christ, fils de l'homme. Donc quand vous voyez Christ, vous devez voir le divin et l'humain unis. Frère Branham, est-il le fils de l'homme? Non, je ne suis pas le fils de l'homme. Est-ce que la colonne de feu est le fils de l'homme? La colonne de feu n'est pas le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est qui? C'est la société, l'union des deux. Amen. Comment Dieu peut-il devenir chair? Nous allons étudier trois étapes. Par ce qu'on a toujours dit, trois étapes de la parole faite chair, Abraham, Jésus et maintenant. Mais les trois étapes de Dieu. Comment il fait pour devenir chair? Premièrement, Dieu sait qu'il fait. L'homme là, Melchizedek, qui est le Logos, qui ne peut pas mourir, commence d'abord à chercher un homme parmi les hommes. Et s'il ne trouve pas cet homme parmi les hommes, il a la capacité de créer un homme parmi les hommes. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus était un homme créé dans le ventre de Marie. Première chose, donc, il crée ce que nous appelons, il construit une tente. Il construit une tente. Primo, comment Dieu devient chair? Il construit quoi? Synonyme d'un tabernacle. D'où l'expression Dieu s'est tabernacle. Synonyme d'un temple. Déduisez, ce temple, je l'ai révélé dans. Synonyme d'un corps physique ou chair. Synonyme d'un homme de chair. Il doit d'abord construire une tente. À l'image de l'Ancien Testament, Dieu dit à Abraham, fais-moi un tabernacle et moi, je viendrai y habiter dans le troisième parvis qui est le lieu très, très saint, dans l'âme. D'abord un tabernacle et puis dès que Moïse Moïse a fini de construire le tabernacle, la gloire de la Shekinah, qui est Melchizedek, entrée dans le troisième compartiment, qui est le Saint des Saints. Vous voyez? Est-ce que vous me suivez? Amen. Et c'est ça. D'abord, il faut un tabernacle.
c'est le lieu d'adoration. Il faut un temple. Ce temple, c'est un corps, c'est un homme. Et comme tout homme était pécheur, il ne pouvait pas prendre un homme qui est péché. C'était difficile qu'il prenne un homme péché. Il devait, par la naissance virginale, créer une cellule de vie dans Marie pour qu'un homme soit pur. Il ne peut pas entrer dans ce qui est péché. Très bien. Deuxième étape, quand il a sa tente, quand il a son tabernacle, il y a le concept que nous utilisons. La deuxième chose, on appelle l'incarnation. L'incarnation. Dieu ne peut pas devenir un homme de chair sans les étapes que je suis en train de citer. L'incarnation. Quand Christ paraîtra sur un cheval blanc, il sera totalement et complètement Emmanuel, la parole de Dieu, incarné. L'incarnation. Des fois, nous utilisons les termes, nous ne savons pas les expliquer. L'incarnation. Si vous cherchez ça dans la Bible, ça n'existe pas. C'est propre au message. Cela veut dire seulement la parole faite. L'incarnation. Et la troisième chose, l'identification. Voilà, ça va nous aider à faire mieux comprendre la divinité. Nous avons déjà terminé avec l'homme théophanique, le premier degré. Nous sommes avec l'homme corps physique, chair. Pour que Dieu devienne chair pour manger, avoir aussi une femme, il faut ça. Aujourd'hui, on prend seulement le premier. Le dimanche, on va prendre le et au pire, on va continuer. Première étape, on prend ça. L'arrivée d'une tente, un tabernacle, un corps ou un homme. Lisons d'abord Malachie 3.1. Malachie a bien exprimé ça dans Malachie 3.1. Voici, j'enverrai mon messager. Qui peut se souvenir de ce messager? Il s'appelle comment? J.B. Jean-Baptiste. Ah. Jean, mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple. Il y a un messager, il y a un temple qui entrera dans son temple, le Seigneur que vous attendez. Voilà. Il y a un messager, il y a un temple ou une tente, et le Logos. Il faut qu'il y ait la conjugaison de ces trois choses pour obtenir la venue. Un précurseur, une tente, l'arrivée d'une tente. Lisons dans Shalom, prêché le 19 janvier 64, c'était un après-midi, paragraphe 234. Seigneur, prends-moi Seigneur, Seigneur Dieu, ne me laisse jamais fixer ma pensée comme Judas. Sur un dollar de plus, sur une mode du monde, ou sur quelqu'un qui me tapote sur le dos disant « Oh frère Branham, ceci est... » Non, non. Oh Dieu, ne laisse jamais cela m'arriver. Je suivrai le chemin avec lequel que me prisait du Seigneur. Je serai un frère pour les hommes. Je ferai tout mon possible, Seigneur. J'aimerai les gens de tout mon cœur. Mais Seigneur, ne me laisse jamais m'éloigner de cette parole-ci. J'aimerais ressusciter au dernier jour. Et il n'y a que ceux qui sont inclus dans cette grande symphonie. Seigneur, comme j'ai essayé de l'expliquer cet après-midi, ce sont ceux-là qui apparaîtront à la fin de cette partition.
lors de la glorieuse résurrection, et quand tous les anges taperont les mains et que les saints entreront en marchant, ce sont ceux qui ont joué leur rôle dans cette grande scène que nous jouons. Il dit, prions. Seigneur, nous savons qu'on a changé de masque dans une scène. On passe d'une chose à l'autre. C'est ce que tu as fait. Tu es parti de l'Esprit de Dieu, le grand Jéhovah. Tu as porté le masque d'un être humain. Tu as changé ta des races. Tu as changé. Tu as dressé ta tente. Amen. Tu as dressé ta tente. Tu es descendu de Dieu. Tu es devenu un homme afin de pouvoir mourir pour acheter l'homme. Tu as changé de masque. Tu as dressé ta tente. Il faut d'abord une tente. Et la tente de Dieu, ce n'est pas le tabernacle de l'Ancien Testament. Ça, c'était un type. Amen. Dans la brèche, il est dit encore aussi merveilleusement, au paragraphe 137, voilà celui qui a satisfait à l'exigence. La grâce a produit la personne de Jésus-Christ. Et nous voyons que ce livre-là, Dieu a dressé sa tente. De Dieu, il est devenu homme. Il commence toujours par dresser une tente. Amen. Il a pris une forme humaine. Pourquoi? Afin de pouvoir mourir. Melchisédek ne pouvait pas mourir. Il fallait d'abord qu'il passe par une tente. Et la tente est une personne. S'associer à cette personne afin de pouvoir quoi? Mourir. Très bien. Voilà pourquoi Hébreux 10, 5 dit ceci, la Bible. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, une tente, un tabernacle, une chair, dans laquelle moi, je pourrais maintenant passer à la deuxième partie qui est l'incarnation. Vous êtes avec moi, je l'espère. Voilà la première chose que Dieu fait pour arriver au deuxième degré de son humanisation, comment il devient humain, de sa condescendance. Amen. Premier degré de Melchisédek. Mais Melchisédek, vous ne pouvez pas amener Melchisédek à la croix. Vous ne pouvez pas couper sa tête pour que son sang soit versé sur une autre colonne. Il n'en a pas. Il n'a pas de sang. D'accord? Vous ne pouvez pas l'égorger. Alors Dieu devait sauver l'humanité. Et pour sauver l'humanité, les calvaires étaient le passage obligé. Il devait mourir. Dieu doit mourir. Et il fallait maintenant la deuxième dimension de la condescendance de Dieu. Il fallait qu'il devienne chair. Et pour devenir chair, voilà les trois étapes. Et aujourd'hui, nous avons vu la première étape. Il dresse une tente parmi les hommes. Et quand il dresse une tente, la deuxième étape, nous allons voir ça le dimanche, il vient saint. Quand on parle de l'incarnation, vous devez voir toujours une dualité confondue dans une unité. On ne peut pas être incarné en étant une seule chose. Je m'incarne. Non. On s'incarne dans une chose. Donc vous devez avoir deux éléments pour avoir une incarnation. Et c'est ça le lieu d'adoration. Dieu a dit à Moïse, à Salomon, même à David, je vais avoir aussi une maison comme vous. Vous avez des maisons? Moi aussi. Construisez-moi aussi une maison. Je vais aussi habiter dans une maison. Comme ça, vous pourrez venir me visiter.
et nous allons causer. Amen. Moïse dit, mais comment? Attends, monte sur la montagne, je vais te montrer la forme de la maison. Tu vois ce tabernacle? Oui, il a combien de parties? Trois parties. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu saint des saints. Construis-moi ça sur la terre. À l'image de ce que tu as vu. D'abord, dresse-moi ça. Pourquoi? Parce que moi, je vais changer ma lignée. Je vais quitter le monde des esprits. Venir aussi devenir israélite. Vivre dans le camp des juifs aussi. Comme ça, Moïse, tu as ta maison, Aaron a sa maison, moi aussi j'ai ma maison. Et ma maison sera appelée la tente d'assignation. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Amen. Amen. Alors, dresse d'abord ça. Amen. Et quand Moïse a dressé ça en trois parties, ce qui signifie, quand Dieu vient dans l'homme, il entre dans la dimension de son âme. Dans le lieu saint de saints. Et il devient cet homme. Ça, on le verra avec l'identification. Et l'homme devient lui. Amen. Et quand Moïse a terminé, ils ont vu la lumière de la colonne de feu. Frère Balaam dit, la même colonne de feu que nous avons sur la photo. S'il vous plaît. La même colonne de feu que nous avons là. C'est cette colonne de feu qui était avec Moïse. N'est-ce pas que nous sommes des hommes privilégiés? La même colonne de feu. Comment nous irons en enfer? Parce que nous agissons avec le même Jéhovah. Amen. La même colonne de feu qui a fait des miracles dans le désert. Amen. C'est ce qui nous a amené ce précieux message. La même colonne de feu. Cette colonne de feu est descendue comme sur les ailes d'une colombe blanche, comme neige, sur le tabernacle. Et lorsque les peuples ont vu la colonne de feu sur le tabernacle, c'était pour eux le temps d'adoration. Et au temps de Salomon, il dira, si vous voulez prier, si vous voulez offrir des sacrifices, il n'y a qu'un seul lieu d'adoration. C'est là où il y a le tabernacle dressé et là où la colonne de feu s'est incarnée. La conjugaison de ces choses vous autorise à adorer. Amen. Amen. Voilà mes frères pour ce soir. Le dimanche, Dieu vous lance, nous donne le temps, nous touchons l'incarnation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.